Une bonne nouvelle pour Haïti. Bon, malgré tout ça, mon pensée, et puis là, tu es raciste. Il n'y a pas de cap voyage ici, en tout cas. Ça, son menti, son bluff. Ça, ils ont un discours électoral de politique, de besoin de gagner. Il fait tout ça, le fait. Car raciste, tout le monde, car raciste, tout. Mais moi, je connais que vous n'avez pas de cap déporter tout Haïtien, au vrai, c'est pas vrai. Bien entendu, qu'il y a un monde qui n'est pas en règle. C'est mettre à couvrir parce que si vous n'avez pas en règle, là, vous n'avez pas de déporter. Mais si vous avez une autorisation légale pour sous territoire américain, vous n'avez pas de cap déporter. D'ailleurs, États-Unis ont besoin. On sait que le travail c'est haïtien qui a fait. On sait que le travail c'est immigrant qui a fait. Donc même monde qui bat comme Trump, il va pas accepter que Trump font déportation en masse de travailleurs ça. Donc moi c'est que tout ça c'est bagarre campagne, il pas capable déporter tout haïtien. Donc moi même d'habitude haïtien, c'est ça que me dit haïtien tout dernièrement sous question élection ça, puis gagne voter avec émotion. Puis gagne voter avec émotion en nous négocier vote nous, là c'est États-Unis d'Amérique élection a fait. Parce que c'est très important pour communauté haïtienne et pour pays et d'Haïti. Si nous regardons tout mal que Haïti subit dans les derniers 40 ans, c'est démocrate qui fait tout gros mal. Si nous sommes dans les derniers 40 ans, ça, c'est l'administration démocrate qui fait Haïti. C'est eux qui crasent la mer, c'est eux qui crasent toute institution. C'est eux qui assurent que les gens qui volent les corps de construction Haïti à retourner la caille, comme qui Petro-Caribe à retourner la caille. C'est eux qui aident, encouragent et assassinent le président Jovenel Moïse. C'est eux qui mettent CPT ça, qui crasent le pays, volent le pays, détruisent le pays. C'est eux qui prennent tout ça dans le sous-sol. Faire jeune garçon avec jeune femme bien zam nan men yo a pas sensi des monde dans les zones parce que yo besoin ça en bataille là. Donc moi c'est son gros nouvelle pour Haïti que monsieur Sao cap sous pouvoir très bien. Alors gen moun kap nan dollar sénateur qui redo adou qui gen doit rappeler que Donald Trump était président déjà. Non, il était président en deux et gardez pour en qui année il était président. Président Jovenel va mourir non? Gang yo pote ko gangrene les bagay là et comme ça non, oubliez qu'il est gang commencer vendre en rage en Haïti, c'est après village de Dieu. Oubliez qui date. Donc pour montrer que je crois que ça c'est nécessairement mauvais bagaille pour Haïti. Nous t'a demandé, nous t'a souhaité que Haïtien gagne contact ça avec nouvelle administration ça pour assurer que je change personnel qui dans l'ambassade américaine depuis trop longtemps. Donc là depuis 1994, je rentre avec 25 000 soldats. Depuis le ça, yo empêché Haïti vivre. C'est yo qui met la guerre dans le monde entier. Non seulement pense son bagaille la pied pour Haïti, pour le monde là bon. Guerre Ukraine non. Qui était presque mettez nous en guerre nucléaire, je pense qu'il va gagner longtemps pour le finir. Problème Israël-Iran, il va le finir. Je pense que le président Trump, je le dis là, il n'a pas jamais fait tout ça. Et les républicains n'ont pas jamais de coup démocrate qui propose bon papa, c'est au compte tout ça bon pour tout le monde. Haïti te met dit, nous pas voulons ça, nous pas voulons conseil 9 membres. Yo dit oui, c'est ça bon pour Haïti. Et je dis à Gadna qui est tard que nous y a là. Je dis à nous qui connaissons que mercenaires Kenya qui là, ils ne peuvent pas l'argent encore bientôt. Ils ne peuvent pas l'argent. Pas pour son administration, tu ne peux pas bannir ça. Vous suivez la caillou va le tourner. Vérité. Parce que mission non plus, pas nous tourner en mission onusienne. L'agent ça, c'est nous qui pour essayer de jouer une aide pour aider la police nationale, pour nous renforcer l'armée d'Haïti, nous, BESAP, pour nous bailler peuple nos sécurité et nous cap bailler peuple nos sécurité. C'est caractère intervention, c'est tout le besoin démocratique, besoin de contrôler toute bagaille qui fait que Haïti, je dis là, nous prend. Dans le pétrin que nous prenons là avec CPT et puis avec un premier ministre, que nous avons battu avec l'autre et Haïti a montré notre trou. Donc, moi, je suis allé à Jodia, moi, je félicite le président Trump et je dis à Haïtien qui est aux États-Unis, pas quitter le monde paniqué. Yo n'y pas de cap pour tout tourner. Ce n'est pas vrai. Système n'a besoin, économie des États-Unis besoin, yo n'y pas de tout tourner. Yo n'y pas de tourner même si y a une autorisation parce qu'il y a besoin d'un duel. Donc, c'est ça que je pour me dire. Et encore une fois, je félicite le président Trump et m'expliquer que. Il y a suspendu balai de Haïti parce que nous prenons, non, les républicains ont dit que c'est raciste et les démocrates qui ont même pensé que nous sommes choulio, c'est pour craser pays, piller pays tout le temps. Donc, pour même position par là, vous pensez que l'arrivée de Donald Trump, 20 janvier, qui a venu là, a changé de données politiques, surtout en Haïti? Bon, nous, ce n'est pas un nègre qui vraiment aime entrer dans la politique. Nous, nous faisons des choses de Paul, nous faisons des choses d'éclat, mais l'irrité. Démocrates ont toujours bien ça comme habitude pour penser que c'est aucun bien qu'on est, des nobèdes. C'est au poudou qui j'en pour vivre, qui j'en pour manger, qui est-ce qui pour gouverner, qui est-ce qui corrompu, qui est-ce qui crasé. Et il fait combien de temps? Il a paniqué avec ça. Il a essayé d'écraser, monsieur, apprendre comment le système ça va bon. Et m'espérer qu'il a corrigé le système ça et il a fait passer main dans le système ça. Je pense que là, bon pour nous, là, bon pour le monde. Et a fait que l'ambassade américaine vienne à plaider rentrer dans bagarre Haïti, voler, piller depuis 1994. Nous espérons qu'il a bon fait assister à manœuvre ça, à bagarre ça. Et encore une fois, c'est un gros bagage pour montrer à Haïti que c'est nous Haïti pour sauver Haïti.
c'est pas États-Unis qui a bien sauvé le bon nous, c'est pas l'autre monde qui a bien sauvé le bon nous. Là où nous peur qu'on s'arrête parce que on président changer dans le pays, nous peur retourner la caille, c'est parce que la caille nous pas de travail pour venir plus bon. C'est parce que le gouvernement nous son équipe volée, son équipe chatte. C'est nous mêmes haïtiens quel que soit côté nous hier pour nous mettre ensemble, pour nous réfléchir comment n'a fait Haïti vinn tout non bon côté pour même le ou États-Unis ou président mandé pour pas obligé à paniquer. On fait la caille nous bon, on travaille pour Haïti vinn bon. On met ton fin à des autres ça et à des rives ça. Alors question pour qu'on finir avec vous, question toujours été nous t'a commenté là même avec Vladimir Matéan, son question de leader éclairé Vlad, qui est-ce qui capable mener des négociations, qui capable discuter avec blanc. Nous toujours en panne de leader ça en Haïti et nous voyons ça qui a passé là avec conseil présidentiel ça quoi parler de là premier ministre Gary Conille, mais est-ce que là 4 ans Donald Trump là nous a dit qu'il y a des monde cap là sous le terrain ou même de l'autre monde qui n'a équipe ou n'a pas profité de ça pour faire une diplomatie éclairée. Premièrement, ça nous pour nous faire c'est prendre pouvoir, retirer moun sa au côté ou là. Il n'y a pas de place là. Il y a la guerre Haïti, nous trouve chaque jour plus mal. C'est pour nous même Haïti, nous mettons nous ensemble pour retirer moun sa ou là. Il n'est pas capable de décider, il n'est pas normal pour son équipe volée. Ok, mais il n'y a pas de deal non. ULC c'est deal, tout le monde deal. Si volée, tu prends décision pour Haïti. Il n'est pas normal sur les gens qui ont tout des problèmes dans la corruption, que ce soit dans la question volet COB et reconstruction Haïti ou bien volet COB et BNC, pour ceux qui encore signé et qui prennent des décisions pour Haïti. Sécurité pays n'est pas capable de nommer ambassade. Je dis à ces ambassades américaines qui commandent en chef la police, c'est lui qui commande en chef l'armée, c'est lui qui commande en chef si monsieur Gézam dans la rue avec Timé Damio, c'est pas moi qui dis, c'est ambassade de deal. Donc il est pour qu'on fait un bagage, pour mettre un fin à bagage ça. Merci, sénateur Guy Philippe. Un problème. Voilà, yes. C'était donc Guy Philippe. Bon, parce que bah, la chavire sous nous, Vlad, là, nous obligez pour camper là pour nous. Bah, étant avec professeur, nous, professeur Josué, lui, qui est dans le studio avec nous, pas oublier, c'est invité spécial, nous, on a regardé. Maintenant, les élections américaines, là, c'est clair, Vlad, Donald Trump président. Oui. Et nous, on a dit, bah, il y a miracle, là, bah, il y a changé ça. Qui j'aime? Professeur, tu commences à aborder des questions là qui t'attirent attention non en pile. La présidence de Donald Trump pendant ces 4 ans qui j'en veux. Bon, moi-même, l'analyse m'a toujours tombé bien, malgré que je n'ai jamais voulu bien tomber. Parce que quand il y a des gens qui pas bien ouais question, c'est toujours qui bon phénomène ce gars là. Il peut le transposer expérience li en Afrique avec Madame Lalim. Côté que li pral prend contrôle li bon li du carrément mandé pour donc ça nous gen là en Haïti pour même c'est Trump qui ba nous aller et puis il voit madame Lalim pour contrôler la police mettre en bago zam sous pays a contrôler la police qui dit la police par exemple mais qui leur pour intervenir mais qui leur pas intervenir madame Lalim c'est lui qui était vraiment chef police là et puis vinn bon problème so gen bonne armée ou gen ou même gens au fait dans pays africain donc c'est Trump qui vient avec lui. C'est piga que nous bay responsabilité à l'autre monde qu'on y a l'autre yo même yo vinn amplifier yo continuer mais véritable responsable là li pas l'autre monde c'était Donald Trump m'pas véritable responsable de ça qui passe en Haïti là on même clair pas Donald Trump seulement. Alors Donald Trump go grand part de responsabilité dans ça qui gagne là parce que ou joindre que Donald Trump était gon paquet de bonne monde type est pour le renouveler le pas renouveler lorsque tu joindre des parlementaires qui t'avaient intervenu auprès de Donald Trump il a Chitol Country je ne crois pas un monde qui nous cap gain rien de sérieux nous cap attendre de Donald Trump au contraire avec Donald Trump nous pral gain plus de chaos dans pays plus de chaos avec Donald Trump ou même pour même n'a pral gagner plus de chaos de violence plus de violence en Haïti comment expliquer. Parce que Donald Trump, les grands politiques isolationnistes, parce que nous pas capables de résoudre le problème, ça nous gagne là pour contre nous. C'est pas que les démocrates ont tapé des noeuds de résoudre tout, non. Mais quand même, ou joignent que les démocrates ont une position, bon, bah quoi sur eux, comprenez bien. Parce que qui dit démocrate, dit républicain, dans la politique haïtienne, c'est même bagaille, c'est même politique, président Roosevelt des États-Unis, qui te dit comme ça, que c'est pour nous diviser, nègres sans souliers, yo, avec nègres avec eux. C'est ça qu'a fait. Toujours, c'est ça qui est toujours fait, que ce soit républicain, que ce soit démocrate, parce que y a toujours la même politique étrangère envers Haïti. Faut nous pas essayer comprendre, essayer dire que avec démocrate ça va le changer. C'est même ouais bien variante Rooseveltienne de politique étrangère là. C'est la politique de la carotte et du bâton. Les gars, personne ne nous fait comprendre que par exemple républicain gon politique étrangère qui est différente. Seulement démocrate yo gon problème la caillou. Problème yo gen la caillou. Yo montré que yo zami ou et pourtant bamba
y a crasé ou mais les républicains yo paraît tête yo même yo paraît tête yo for well. Donc même quoi que nous pas un gros problème République Dominicaine qui déjà prend un paquet haïtien expulsé au bord ici il pral gagne de l'eau dans moulin pour le faire plus bien parce que ou joignent yon xénophobe de l'autre côté qui t'a capable râler les oreilles qui pas pral faire et puis qu'on y a la même l'autre grand problème ou une bonne zone de notre côté moun pa ka vivre ti côté moun ka vivre qu'on y a là ouais qui problème qui pral gagner kay pral extrêmement cher et pas pral n'a pas si c'est ça même extrêmement cher ou pral joindre que on classe moyenne qui déjà li même prolétarisé pas gagne ça encore davantage donc avec démocrate yo peut-être nous t'as une chance yo t'as mettre un bémol avec démocrate oui oui yon bémol et démocrate yo t'es là nous ouais non 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 alors là c'est ça Biden décrit tout déblouse ça Biden vient avec question immigration ça pour déstabiliser pays lorsque il vient avec parole humanitaire parce que l'on prend pays il choisi yo l'on prend Haïti alors c'est ça Venezuela Nicaragua Cuba c'est pour déstabiliser gouvernement ça yo comprenez bien mais qu'on y a là qui moun qui pral frapper plus par déstabilisation ça Haïti bon Donald Trump t'es au pouvoir qui moun qui t'est tacle Venezuela pirate qui vient permettre économie vénézuélienne de tomber comme ça c'est encore ce Donald Trump alors seul ça pral gagner bon OK Donald Trump qu'on y a il pas pral financer parce que n'a pas pris rien dans pays là il pas pral financer yo l'a demandé pour aller quoi yo mais qui ça pral faire est-ce que nous ca résoudre crise ça pourquoi nous je ne le crois pas je ne crois pas que seul que nous ca résoudre crise là nous besoin quand même on appui international voilà ouais mais appui ah, c'est pas pour que substituer pas quoi n'a venir appuyer ça de Donald Trump substituer à nous-mêmes ça appuie c'est pour venir renforcer par exemple renforcer qui ça ça nous-mêmes nous décider mais est-ce que nous-mêmes nous avons un projet vraiment ça c'est mon problème à moi est-ce que nous avons un projet vous comprenez bien pour remettre pays à vraiment sur rail est-ce que c'est mon projet personnel que nous gagnons alors là m'a pas gagné réponse là mais de toute façon j'aimerais dire là nous avons l'autre choc des civilisations avec Donald Trump c'est la xénophobie au pouvoir par exemple premier plan yo c'est latino-américain yo c'est au principal cible là même quand on parce que ou joindre que moun qui t'a écrit choc civilisation il dit comme ça que il était passé par les États-Unis il dit gros problème choc civilisation aux États-Unis quand on joindre par exemple un bon latino-américain dans pays là yo même y a un paquet d'avantages et yo pas jamais assimilé yo toujours été à langue pa yo il dit comme ça que yo gen propre l'école pa yo comprenez bien donc il faut repasser par là là pour on est dans Donald Trump qui va mettre fin à tout ensemble de programmes sociaux qui gagne tout pouvoir qu'on y a là même et puis là ici ça yo des vieillards qui là-bas qui dépendent de programmes sociaux ça yo qui soit pour le faire donc qui gagne un programme mais non Donald Trump déjà te gagne institution là camper en face là mais ils sont bonne majorité yo yé si a fait sortir rapport sur ingérence russe dans élection américaine il camper le démenti nèg yo dans figure yo il pas même respecter institution alors que m'tande mon a dit institution parle gagne institution cap ka contrôler Donald Trump avec ou bon paquet bonne monde qu'on a fait allégeance avec Donald Trump parce que si on nèg parce que ou pas Trump c'est comme si ou pas américain donc ou pensez que tout monde c'est tête à tête ou pral marcher devant Donald Trump alors un pays qui chita son ensemble de valeurs que Donald Trump li bafre yo comme ça ou joine que parlement pas jamais fait rien deux fois monsieur frôlé par exemple la destitution le parlement qui gagne républicain là dans yo pas jamais fait au contraire yo appuyé ce qui pas fait même avec le président Nixon qui sont démocrates alors pensez de Donald Trump ça pral gagne institution qu'a contrôler c'est lui même qui toute bagaille c'est lui qui pral entraîner institution yo tout côté on est arrivé carrément livré prend l'armée pour faire coup d'état contre on résultat élection si pas de gagner général Milley qui te gagne bravo la cali comme ça li ta, bon général Milley pral prend commercial tout lui même il pral prend commercial alors que pour moun di m comme ça que oui haïtien pas déporté nèg la déporté haïtien et puis gon l'autre bagaille que nous pas comprendre on pense gon Donald Trump gon l'autre bagaille que nous pas comprendre à qui moun li associé avec Elon Musk qui ça qui wol Elon Musk ça automation même mop moun te kon passé ou pas joine ni encore Elon Musk appareil fell et peut-être ça li associé à Elon Musk pour yo capable pousser plus loin avec plan d'automation yo parce que yo wè que gen ti emploi que américain pas fait c'est immigrant qui fell tant kou lever boîte tant kou par exemple passer mop qu'on y a la même Elon Musk pral bon résultat avec une robotisation poussée et peuple américain gen pou le payer très cher son choix de Donald Trump si ça pas fait pas intellectuel encore si ça pas fait
parce que même pas jamais font prédiction que le pas arrivé fait pas jamais font rien sous base émotion fait tout ça fait sous base analyse. C'est deux jab qui gagne jab démocrate jab républicain li prend peuple américain nos plans nos pièges et me crée que peuple américain pas payer très cher ce choix parce que qui ça pral gagner c'est plus robotisation même question de Uber ou joigne que c'est par exemple yo pral programmer yo pour ça c'est ça qui fait que li ouais nèg Elon Musk là lui-même li embrasser projet Donald Trump là et qui ça pral faire lui-même si ça te gagne lorsque Donald Trump te prend pouvoir tout par exemple et solution démocrate te porté avec et économie américaine li prend toute l'argent ça la retirer taxe sur moun ki pi riche yo c'est ça le tap fait et puis li mette économie en pi bas ça que m pa ka comprendre l'électorat américain parce que ou joine bien sûr sous l'administration Biden je ne parle pas en tant qu'haïtien m'a parlé tant qu'un haïtien non m'a parlé tant qu'ou parce que m'a parlé tant qu'un haïtien m'pa chame d'accord programme nèg yo tant qu'ou m'a parlé tant qu'un scientifique ou joine que quand même sous Biden économie non niveau très élevé mais yo tellement xénophobe yo inscrit yo dans plan Donald Trump là et ou joine que qu'on y a ou te gen deux grands axes conflits internationaux yo ou joine c'était épicentre conflit yo c'était Moyen-Orient Ukraine OK qu'on y a là même il va résoudre problème Ukraine là qu'on y a là même qui ça tout conflit yo qu'on y a yo va retourner Moyen-Orient pire toujours qu'on y a là même c'est ça pour nous mais lui-même li joue la baie soutien inconditionnel li à l'Iran Vladimir Poutine qui a joué mission mauvais tour et ça fait que Vladimir Poutine par exemple il était un petit j'en met un petit bémol dans Moyen-Orient il pas de baie ou tout si par exemple gros missile longue portée pour craser bateau américain craser Israël parce qu'il connaît que yo ka bay Ukraine autorisation pour frapper au tout en Russie ba la gon deal qui pas deal vrai en bas côté que ou joine Poutine li pa fè li pa bay monsieur par exemple Yémen yo missile longue portée ça pour craser tout bay ça ni convoi pétrolier vers Israël vers côté ça et Poutine capable prendre pause Libye à monsieur yo résoudre ça et puis qu'on y a là même pour capable faire qui ça qu'on y a là permettre que tout si yo Iran pral renforcer puis plus et Iran parce que gon gros jeu géopolitique c'est le détroit de Dormouth c'est pas détroit de Dormouth parce que grand pile l'autre analyste et ou jeune France et Radio France nationale yo pas jamais dit ça c'est la plus gros jeu a détroit de Dormouth 40% pétrole yo c'est pas là l'a fait avantage Poutine c'est que Poutine pral vendre gaz les plus cher parce que moi-même t'es gon analyste tant qu'on joine comment il est là même yon petit oui qui Canada toujours parler l'a dit c'est démocrate là comment il est petit ça qui est ce que ça petit ça qui toujours Canada ça Canada démocrate non haïtien m'avant t'a dit oui sous Donald Trump et gaz oui mais qu'on y a là pas attendre nous gaz là pral baisser vrai inflation pral baisser vrai parce que qu'on y a là même ou gagne un toro qui Iran qui a bloqué des trois d'hommes là. Et bah yo pas John Bibon sous démocrate là. Moi m'a regardé balance là. C'est pas que bon, c'est pas que démocrate. C'est non pis aller. C'est pas yo con ça. C'est pas que bon. Non non, c'est pas que t'es bon. On y a mais entre de mal yo. Gagne quand même capi mal. Est-ce que mal prend démocrate là? C'est que pas gagne pis bon. Pour ça ouvert là. Pas gagne pis bon. Hein? Tu vas placer même bagaille là, c'est que non mais gagne pis mal pour déterminant de la politique. Déterminant de la politique étrangère américaine. C'est là nous pas arrivé là. C'est déterminant Rooseveltien. Vérité. Yo pas prendre nous pour moun. C'est toujours divisé nèg à chaussures. On son gros débat là, c'est ça déterminant parce que ça c'est son lecture. Son lecture qui pas tenir compte de déterminant ça. Ça dit que variant pour Rooseveltien là, il est déterminant dans politique étrangère américaine que ce soit pas gagne monde qui ca démentir que ce soit démocrate, que ce soit républicain, c'est même politique là gagne. Là nous obligé bagne monde parce que pour ça lancer débat là, pas bon débat de monde qui va y mettre accent sur tout. Les Trump te fin et prend pouvoir et te fin et arrive après Obama, il te joue un héritage. Oui. Mais là qu'on a là, il conteste ça. Là, est-ce que elle a deuxième mandat ou pas le qui Trump vraiment est-ce que Trump vraiment est triste vraiment pour le faire ça l'a fait est-ce que vraiment ça l'annonce il a capable faire et quand c'est d'ailleurs c'est vraiment là que Trump parle là. Il y a tout pouvoir dans la Cour suprême dans main, la Chambre dans main, ils ont tout appelé-t-il mettre auprès de Trump. Mais
Donald Trump nous met dit le président. Et mes démocrates là, yo même qui étaient impliqués indirect ou direct, mais yo tombé là après 40 mois à la semaine de Moïse. On n'a jamais vu dans notre pays. Donc je voudrais remercier les Américains de leur enthousiasme extraordinaire. Je serai le 47e président et je vous en remercie. Et je me battrai pour vous, pour vos familles, pour votre avenir. Chaque jour, je me battrai pour vous. Avec mon dernier souffle, je ne prendrai pas de repos avant d'avoir réalisé ce rêve pour vous et pour vos enfants. Vous l'avez bien mérité. Nous entrons dans une époque dorée pour les États-Unis. Un âge d'or. C'est une victoire extraordinaire pour les Américains. Et ça nous permettra de redonner sa grandeur à l'Amérique. Merci. Merci beaucoup. Bon, Jacques Mapsalio, et bon, Nabdou, dans l'ESA, techniquement, nous voilà supposé debout, mais l'élection qui a passé là aux États-Unis, c'est sûr, c'était le concerné nous tous. Bien que nous pas de rendez-vous, mais Jacques, il faut nous tendre, parce que même comme expert, tout le monde tendre, et au compte politique américaine, bien. Jacques, ça qui a passé aujourd'hui là même, ça qui a passé là maintenant là même, qui est que tu fais, qui compréhension pour nous qui de là, frère, qui branche dans l'ESA? Bon, et ça qui a passé là, et bon, bien que Bayo, tendance nettement favorable avec les républicains, et nous avons dit ça dans des différentes interventions, nous, qui a gagné en surprise, et nous connaissons que campagne Kamala Harris, là, il est grand pile problème, et de part, et bon côté que Kamala Harris n'a pas gagné assez de temps pour présenter le bas électorat. Pour des cas qu'on aime bien. Et nous-mêmes, dans la prédiction des faits, dans le commencement, lorsque le vote a commencé à sortir, nous disons que le grand risque est pour Kamala. Okay. Parce que dans le sondage, ce qui a sorti, c'est que nous avons dit qu'on pas qu'on aime. Et comme il y a pile de monde qui a voté dans Swing State, dans l'État qui a allé à droite ou bien à gauche, qui n'est pas ni État républicain ni démocrate, eh bien, nous voyons que le conseil d'État, nous avons voté à 90% conseil de district. C'est-à-dire que les gens qui sont éligibles pour voter, c'est pour la première fois voter en pile comme ça, qu'ils ont voté à 90-95%. Vous êtes indécis. Vous êtes vraiment indécis. Vous n'êtes pas indécis dans le vote. C'est-à-dire que comprendre. Si que un candidat l'a démis, mon yo dans tout sondage, je dis que yo pas connu qui moun ko yé vraiment vrai. OK. OK. Candidat devant nan, li la depuis en 2016, il domine scène politique là, tout le monde connaît. OK? Et bien, si on pile moun a le voté, est-ce que c'est rejeté candidat ça, yo dit que nous pas vle, il pas bon, n'a pas chance avant ou du moins yo sorti à le voter pour gien chance pour majorité moun voter pour moun que yo connaît déjà parce yo pas de connait. Comprenez? Et l'en yo commencé à prendre sondage à parler avec moun qui sont dans bureau de vote yo. Il y a des gens qui disent depuis Obama m'a voté, m'a jamais voté encore, c'est pour une fois moi retourner voter. Okay. So, ou t'es car ouais, tendance c'est que c'est pour Donald Trump que tu vas voter. Wow. Parce que si tu n'as pas voté depuis 2016 ou avec Obama, ou pas qu'à dire que Kamala Harris sont meilleurs candidats que Obama ou bien même avec Obama pour être associé à voter pour lui. OK. So, nous décrétons dans analyse, nous pensons que gros risque pour Kamala Harris perdu. Et journée électorale là, parce que il y a trop de monde qui a voté dans une série de États et pas et monde dans l'État, ça a tout sondage. Je t'ai déjà dit que il n'y a pas qu'on est mamzelle assez. Le problème, c'est que les Kamala Harris et les Joe Biden annonçaient que l'IPAP courait encore les endosser Kamala Harris. Ils ont euphorie. Euphorie a été bon pour Kamala Harris parce que le débat le temps pour campagne là, t'es capable de réparer lui. Mamzelle presque pas fait interview, il n'a pas introduit tête li vraiment. Même dans une convention, il présente un bon discours, il fait une très belle convention, mais il n'y a pas de co-connaître, il a fait peu d'interviews.
et toute la presse après de vous faire interview par les frères, son décision tactique que l'équipe l'a fait pour que yo pas exposé li avec faiblesse li yo. Et au cas où que dans fin campagne là, quand elle a resté très à l'aise, il était commencé à délivrer message li, ok, il était commencé à faire des interviews mieux, mais malheureusement, il n'a pas gassé de temps. Okay. Et comme ça, il n'a pas préparé pour ça vraiment vrai. Il n'a pas jamais mis dans la tête li que la possibilité a arrivé, parce que s'il était mis dans la tête li, il a mieux préparé. Eh bien, il vient avec un Donald Trump et qui utilise une tactique côté que l'a attaqué mademoiselle personnellement. Et mademoiselle Temple a présenté le programme, il a présenté la tête, il a plus à répondre Donald Trump sur ça que il fait et ça l'a dit et qui n'est pas important. Ce qui fait que nous, un de nos équipes en analyse, dit que mademoiselle court un gros risque pour que il pas gagne l'élection dans la mesure que il fait du tout temps ni à répondre sur des bagages personnels alors que sont déjà montré que il y a pas qu'on aime il y a pas qui positionne. Le problème que le mademoiselle de gagne encore et Jimmy pour vous comprendre en 2019 lorsque tu es candidat tes bon bagage yo t'es les de Green Deal son bagage qui allait à l'extrême gauche net mademoiselle t'es endossé tout bagage Green Deal yo. Je ne je dis à dans 180 jours que il vient candidat à la présidence là il pas gain temps pour avancer vers le centre. OK, parce que retour qui on prend dans trap. Yo dit moi celle comme ça que nous est toute position de prendre 2019. Venez jeudi on pas venir transformer devant nous. À chaque fois que mon Dieu essaie de faire une transformation, rappelez les mecs qui sont déjà en 2019. Okay. Donc, comment on fait changer? Passer le rattrapage. Voilà. Oui, parce que Donald Trump lui-même il est plus audace. Donald Trump est contre l'avortement, c'est lui-même qui fait et retirer qui sont avortement dans tout état. Non, comme on doit pour mesdames. Yo. Mais je ne veux pas dire, l'arrivée redéfinit tête li avec audacité li, et vin joli pour li en faveur de l'avortement. Okay. Comprenez? Alors que c'est M. Krasé qui est sur l'avortement, mais mademoiselle pas gen toute astuce ça, mademoiselle pas gen toute habilité ça, et à ce qu'il paraît, Bagayogele a mal passé pour lui et pour les démocrates en général, parce que c'est pas seule élection présidentielle là que t'es gagné, au niveau du Sénat, les républicains a pris contrôle du Sénat et ils ont en route pour prendre contrôle de la Chambre des députés. Jacques, on nous fait retourner la caille. Kounia là, élection ça. Et pour nous-mêmes Haïti, qui ça signifie pour Jacques, on connaît très bien que moi-même, tout côté embassé m'a demandé justice au président Jovenel. Est-ce que ça capable un impact pour nous même tout bon et Jacques en pile monde croit que et si c'est des républicains qui prend pouvoir et gain monde qui va l'arrêter président Jovenel capable bouger une justice et révolution qui Philippe a parlé l'a capable fait. On a les sans filtre pour nous comprendre Jacques. Bon, mon cher, mon petit Jean Doutil, et moi c'est haïtien qui pour mettre tête ensemble pour bail Jovenel justice pour bail en l'autre pays et si on veut faire une révolution vraiment vraie que yo accompagné yo fait affaire par eux. On regarde les 4 ans de Donald Trump qui est au pouvoir. C'est la première fois il va au pouvoir. OK? Est-ce que Haïti a changé? Non. Pour moi même dans 4 ans Donald Trump là seul ça a été assuré que Jovenel votait contre Nicolas Maduro, c'est ça le besoin. Après ça il quitter les Clinton gouverner Haïti avec PHTK qui mène nous aujourd'hui jusqu'à ce Jovenel mourir. OK? Et il pas fait en différence et m'a connait qu'il n'y a pas fond différence. Au contraire, Donald Trump parlait plus mal Haïti, je n'ai jodia et que l'elle dans 4 ans là. Donc m'a connait comme nous sommes qui besoin qu'à soif à soif et de un changement. Moi même parce que je n'ai jodia faut préparer ici pour un destin en main. OK? Et avec pas venir de OK. Et s'il peut être ni ouais qu'on ouvrait et détait tout, s'il est conscient c'est qu'aide. Si on t'avait aidé, nous t'avait aidé déjà. Au fond nous t'entendons parce que même comme expert, tout monde t'entendait et au compte politique américaine non bien. Jacques, ça qui passe aujourd'hui là même, ça qui passe là maintenant là même. Une raison qui fait que Kamala, normalement Kamala t'a dû prendre la parole avant et nous connaissons c'est ça la procédure là, mais bref,